Je l'ai pas là, mais j'ai un client à faire à côté, puis je te l'ordonne tout après. Non, 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 non. Hey, tu m'as pas fait déplacer pour rien. Va faire ce que t'as à faire, tu viens de me voir après. Non, 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 mais tu comprends pas. Je peux pas faire ça à jeun, Chris. Arrête de crier. Excuse-moi. J'ai-tu l'air de ta travailleuse sociale, moi? Écoute, je reviens ici dans 2 heures, puis je te donne le cash, puis un 20 de plus si tu veux, please. Je vais te faire n'importe quoi, s'il te plaît. Oh! C'est bizarre, non? De quoi? Qu'on prenne un verre ensemble? Mais non. Que tu sois ici, à Montréal. J'avais trop envie de te voir. Je me dis que ça doit être moi qui ai demandé à ce que tu débarques dans ma vie. Chaque fois que je pense fort à toi, t'apparais. Ah ouais? Tu penses fort à moi. Je pense qu'on devrait y aller. Où ça? Dans ma chambre. Ben non, je te con. OK, donne-moi ton compte. Mais n'a pas mon compte. OK, salut. Non, OK, c'est correct. Tu vas me trouver, puis t'es mieux d'être là. 2 heures, pas plus. Tu vas aller en recours collectif avec ça, va falloir que tu m'en donnes pas mal plus. Ben c'est ça, dis que je fais mal ma job. C'est ça que je fais. Il te manque quoi, là? Il me manque quoi? Ginette Tremblay, pas de numéro d'assurance sociale. Sais-tu combien qu'il y en a des Ginette Tremblay à Montréal? Pierre Lemieux, aucun patricule de l'employé, Josette Richard, François Gendron, inexistant. Tu veux-tu que je continue? Je peux te nommer la feuille au complet, si tu veux. 26 autres noms. Sans numéro d'assurance sociale, sans matricule d'employé, sans rien, sans vie. Tout simplement, introuvable. Coudon, as-tu copié les avis de décès dans le Journal de Montréal de l'année passée? Je t'ai vu tantôt, puis... Pourquoi tu m'as pas écrit une mail? Parce que c'était pas suffisant. Je pense souvent à toi, tu sais. Je pense que je vais y aller, là. Je commence à être saoule, puis fait clair. Est-ce que... C'est parce que Nico est jaloux? Mais non, Nico est en voyage. Hey, tu me prends-tu pour un con, là? Moi, je t'ai refilé les noms qu'on m'a donnés là-bas. C'est ça, ma job. Je pense que c'est plutôt toi qui me prends pour une conne. Penses-tu vraiment qu'on peut aller quelque part avec ça? Sais-tu, moi, c'est toi l'avocate. Débrouille-toi avec les dossiers qu'on t'a donnés, là. Ben, en tant qu'avocate, voler des identités fait pas partie de ma job. Ah! Ben, c'était prêt à faire ta job. Ta chère devenue secrétaire va te prendre au bureau, n'importe avec quand, nous autres nouvelles. OK! Je t'ai assez vue. Merci. Là, je te reconnais. This magic moment.